Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Bonjour Kelly. Bonjour. Alors, je ne te connais pas, mais je te connais quand même. Il me semble t'avoir vu dans une vidéo d'un mec sur Internet. Non, pas du tout. C'était pas moi, je pense. C'était une vidéo marrante. Bah oui, c'était marrant à faire surtout. Ouais. Et surtout à l'improviste, hein, imprévu. Comme ça, en mode à l'arrache, quoi. Bah, à la base, c'était DG qui est passé à la maison pour parler de la convention avec Edge et mon père. Il a vu la salle de jeu de mon père. Il a fait « Oh, faut faire une vidéo ». Il a demandé à mon père. Mon père n'a pas voulu. Ouais. Et du coup, il a fait « Attends, Kelly, oui, viens, fais une vidéo ». D'accord. Et du coup, ça s'est filmé en une seule prise. D'accord. Et ça a fini sur sa chaîne. Et voilà. Voilà. On mettra le lien en description. Ouais. Il m'a dit « Je peux la mettre ». J'ai fait « Ok ». Ouais. Un beau plan séquence qui a été rappelé en introduction du coup de la convention qu'on a pu revoir. Revoir en famille. J'ai vu ça. Ok. Donc, famille de gamers alors ? Ah, toujours. Ouais. C'est mon père le gamer, vraiment. Maman aussi un peu, touche un peu ou pas ? Un petit peu moins, mais moins. Ouais. Elle, c'est plus les flippers. Ouais. Et puis bon, bah moi, j'ai baigné là-dedans grâce à mon père. Donc, D'accord, il a une grosse collection donc, qui dépasse qu'on voit dans la vidéo de DG, quoi, finalement. Ouais, effectivement, il y a tous les jeux en boîte qu'il a aussi, toute la collection. On a vu On ne voit pas tout dans cette vidéo, parce que la vidéo est ouf quand même, déjà de base. C'est vrai que c'est une vidéo satirique, bon voilà, c'est gentil, honnêtement. Mais quelque part, ce qui est montré dans la vidéo, c'est quand même un truc de fou. Et encore, ouais, il n'y a pas tout qui est montré au final. Hein, moi, j'aime bien la salle, tu sais, danger nucléaire et tout, quand tu rentres là-dedans avec les lights spéciaux. Regardez la vidéo, honnêtement, c'est à voir, c'est incroyable. Non, mais vraiment, en plus, c'est surtout la quantité de jeux qu'il a en boîte. Tout est stocké dans à l'étage, en fait. Et on n'a vu qu'un petit extrait dans la vidéo, notamment où je parle de mon jeu préféré sur PS2. On voit que le mais c'est une blague en fait ou c'est vrai que c'est Nemo ton jeu préféré? C'est une blague, on est d'accord, parce que c'est quand même un jeu de seconde zone. Oui, ouais. D'accord. Non, c'est pas mon jeu préféré de PS2. Donc c'est quoi ton jeu préféré sur PS2, le vrai? Oh là là. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop, mais je pense que j'ai beaucoup dosé Tekken à l'époque qui était sur PS2. Je sais plus c'était lequel exactement. Mais je dosais, mais juste parce que je prenais Christy, j'appuyais sur n'importe quel bouton et puis voilà. D'accord, et donc ton pater, il a une collection, mais toi t'en as une. T'as des machines aussi qui t'appartiennent à toi perso, anciennes? Non, c'est à chaque fois. De toute façon, t'as pas besoin quoi. Mais en fait, à chaque fois qu'il m'offrait une console, il me fait bon, tu l'utilises plus, je la mets dans ma collection. C'est un bon truc ça pour agrandir ta collection, plein de cadeaux pour tes enfants, c'est une bonne idée. Il m'a offert ça pour la Switch Lite. Ouais. Au final, ça a fini dans sa collection parce que je l'utilisais plus. Donc voilà. Excellent. Bon, écoute, merci pour cette présentation merci fort intéressante. Merci. Allez, ciao. Ciao. Salut à tous.